Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de déconnexion, de revenir à l'essentiel en étant déconnecté du flux d'informations constant, des choses où on a l'impression d'être obligé de toujours répondre. Tu sais, on est de manière impestante interrompu par les notifications, les messages instantanés et plein d'autres choses. Par exemple, récemment, j'ai eu l'expérience où j'ai publié un cours Udemy, donc c'est une plateforme de e-learning. Tu as la même chose avec Podia et autres, mais c'est surtout sur Udemy que ça se présente. Tu publies un cours et après, tu as des personnes, des étudiants qui te posent des questions. Et il y a certaines personnes, ils ne savent pas non plus ton time zone, donc ton fuseau horaire. Et si tu n'as pas directement, si tu ne leur as pas répondu en dehors 3 heures, 10 heures, ils vont directement te redemander pas de réponse et puis te redemander toujours pas de réponse. Et après, il est fort probable qu'ils demandent un remboursement via la plateforme Udemy parce qu'ils se disent waouh, après un jour, pas de réponse. Ou bien ils vont te mettre une mauvaise note sur ton cours Udemy. Et pour ton cours, le référencement de ton cours, c'est très important d'avoir une bonne note. Et c'est pour cela que c'est stressant. Et donc, tu as toujours, dès que tu vois une réponse, tu es un peu dans l'affût. Ah oui, je dois vite répondre parce que ça risque de mettre en péril mon cours sur Udemy. C'est mauvais, je dois répondre en dehors les heures ou la journée. Et alors, ça te stresse, ça t'interrompt, ça prend de l'espace mental et tu ne peux pas, à la place, bien profiter du moment de ta journée. Tu ne peux pas avoir l'esprit libre, l'esprit tranquille. Et tu dois en réalité être OK, être d'accord que voilà, c'est comme cela. D'accord, il y a peut-être des personnes qui vont se demander pourquoi je ne réponds pas. Peut-être qu'ils vont demander un remboursement. Mais bon, tu dois finalement faire la part aux deux et voir qu'est-ce qui est le plus important. C'est ma sérénité de vie ou bien c'est toujours être à l'affût, être à la guette, vite répondre et finalement tu ne profites de rien. Eh bien, je pense que finalement c'est un prix à payer, mais bien profiter de sa vie et profiter pleinement de manière sereine tes journées, ça vaut 1 000 fois plus le prix. Même si certains étudiants, peut-être tu publies un cours ou bien c'est autre, peut-être c'est un livre sur Amazon ou une formation et que tu ne réponds pas directement à leur demande, à leur requête, eh bien tu dois être OK, tu dois accepter d'avoir alors un mauvais avis. Mais finalement, je pense profondément qu'être serein dans ses journées et ne pas tout le temps vérifier ses emails non-stop, maximum 2 fois par jour et pas le week-end du tout, eh bien ça vaut 1 000 fois mieux le prix, ça vaut 1 000 fois plus le prix parce que finalement la vie passe tellement vite, tu n'as qu'une seule vie et ça ne sert à rien d'être tout le temps dans le virtuel et de ne jamais profiter du moment présent, d'être là et de savourer toutes les pépites finalement de la vie. La vie n'est pas tout le temps vérifier son téléphone. Est-ce que j'ai reçu un message? Tu vois un message, tu te sens forcé d'y répondre et finalement tu es l'esclave de ton téléphone. Non, ton téléphone ne devrait pas te dicter ce que tu dois faire. Si tu vois une notification, d'ailleurs, tu dois avoir toutes les notifications sur off, mais si tu vois une notification, tu vas dire non, ça c'est pour plus tard, je répondrai pas maintenant, je fais d'abord ce que je voulais faire. Ça passe après et tu ne dois pas obéir à ton téléphone, à ses notifications, à ses emails. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai aussi préparé, concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode Deep, et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et j'espère que ça va t'aider. Et sinon, je te retrouve directement de l'autre côté dans cet atelier Immersion profonde. Ciao!